Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode du Hunger Games Pokémon saison 15, troisième épisode de quatrième jour. On va sûrement faire le jour 4 et 5 aujourd'hui, et peut-être le 6 s'il reste encore vraiment peu de personnes. Donc c'est parti, Yaku, Pangel, Cassidy, Flix et Shaolino chassent les autres tribus, la pense Arsène Lupin. Arsène, je crois que je vais te tuer. À force de ne pas gagner, en fait, tu nous fais faire un suicide collectif là. Va falloir qu'on parle. Pensons à la fille de tout du coup qui reçoit du matériel médical, Elite qui pêche, Dan qui récolte des fruits, Pioni qui chasse, Machiko qui pense à sa maison, le jeune cerf qui est piqué par des épines en voulant ramasser des baies, et Nathan, Yura et Zemer rentrent dans un combat et Nathan gagne, enfin triomphe du combat et du coup tue les deux autres. Arsène, va falloir qu'on parle. Je sais que tu vas sûrement te foutre de moi. Enfin, je sais exactement ta réaction que tu vas avoir en commentaire. Tu vas mettre oh non, un truc du genre oh zut, je t'ai tué, on va évidemment faire foutre. Et du coup, les personnes qui sont dans cette fille, pas de la fille du tout. Je suis fatigué à enregistrer les records en ce moment. Du coup, Little Arsène, moi-même, Iura et Zemer sont morts. Nuit numéro 4, le joueur mystère qui reste silencieux. La fille de tout qui demande à Divix de le tuer, ce qu'il refuse. Ailes qui décide de se reposer dans un arbre. Cassie qui reste éveillée, Dan qui crie à l'aide pour dormir, Shoyuno qui cuisine, Nathan qui affronte Tipioni dans un combat mais épargne sa vie, Machiko Yaku s'entraide et Angel bat de 9 enfin. Jour numéro 5, Magiku, le joueur mystère, Nathan, Shoyuno et Yaku traque et tue Diflix. Ah ouais, aucune pitié en fait. C'est du 1, 2, 3, 4, c'est du 5 contre 1 là les gars. Alice qui fait peur à la fille de tout et Dan qui découvre une grotte pendant ce temps. Pioni qui chasse Cassie. Du coup, les deux personnes qui sont mortes sont Angel et Diflix. Pioni, nuit numéro 5. Pioni pense qu'elle va gagner. Shaolino, Yaku et le joueur mystère discutent de la game et de ce qui pourrait arriver au matin même. Dan reçoit une hachette. Pensant la fille de tout, Cassie et Magiku dort en shiftant. Alice meurt en tentant d'échapper de l'arène et Nathan qui crie pour s'endormir. Alit, je ne pensais vraiment pas ça de toi, malheureusement, bah tu es morte. Mais tu pourras m'engueuler également en commentaire si tu le souhaites. Ou sûrement dans ma MP Discord. Mais d'ici là, c'est la fin de l'épisode, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire, bien si vous êtes encore participant, si vous avez gagné. Et si vous ne participez pas, vos pronostics sur qui est-ce qui pourrait gagner. Je sais que ces épisodes sont un peu courts, mais il faut que j'enchaîne un petit peu sur d'autres choses à côté, donc... Faut bien que j'espace un peu les épisodes. Mais d'ici là, j'espère que tout cela vous plaît toujours. On se revoit donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Voyant 5 et je vous dis enjoy!